Kaga, le CIV de Kaguit, qui regroupe les villages de Kaguit et Tafoné-Corinne. Donc on a voulu faire, on a organisé ce tournoi au centre de ces deux localités, qui est Dialan, qui nous a reçu, le village de Dialan qui nous a reçu aujourd'hui pour le tournoi, pour ce tournoi. Alors sur place, qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai remarqué, il y a la présence quand même des jeunes. Les jeunes ont répondu, les différentes CIV, ils sont présents. Le CIV de Dar Salaam Mahmouda ainsi que le CIV de Kaguit aussi, ils sont présents à ce rendez-vous. Qu'est-ce qui est visé comme objectif? L'objectif visé est de renforcer la cohésion sociale autour du sport aussi. Parce qu'on se dit que le sport est vecteur, le sport est source de violence. Donc nous on s'est dit avec le projet Alu Leader, le projet Alu Leader avec l'USAID, on s'est dit que le sport peut être facteur de cohésion sociale. Raison pour laquelle on a regroupé les jeunes de ces différentes localités pour qu'ils essayent de renouer cette paix-là autour de ce stade pour mieux échanger et mieux discuter aussi entre eux. C'est vrai que les jeunes ont apprécié aussi l'initiative parce que beaucoup se disent parmi eux, d'autres ne sont jamais venus à Dialan, sinon qu'ils ne font que passer. Donc ce projet aujourd'hui, cette initiative les a réunis parce qu'on était là depuis ce matin. On a échangé, discuté, on s'est présenté et on a discuté par rapport aux différentes zones. Le projet, ce qu'il fait dans les différentes zones, parce que comme à Dar Salaam, ils sont plutôt le projet connecteur, c'est le miel. Donc du côté de Kaguit, le projet connecteur, c'est le poisson. En quelque sorte, ils ont apprécié et ils ont compris aussi le but du projet Alu Leader au sein de leur localité.